Bonjour chers amis, c'est bientôt Halloween. Vous êtes à la recherche d'une bonne recette de gâteau? Je vous propose de découvrir avec moi la recette du gâteau à la citrouille. À vos stylos, pour démarrer, vous aurez besoin d'un kilo de citrouille, d'un sachet de levure chimique, donc environ 10 grammes. Voyez, cette recette est faite avec l'aide de petites mains. Une recette très facile à réaliser. Vous aurez besoin de 200 g de sucre en poudre, de 4 œufs. Nous avons aussi utilisé 25 g de beurre fondu. Et enfin, il va vous falloir 250 g de farine. Parti pour la préparation. Vu que notre citrouille pèse 2 kg, nous allons prendre juste la moitié pour préparer notre gâteau. Vous devez ensuite vider les citrouilles et les éplucher. Ici, je vais couper les citrouilles en dés. C'est pour faciliter après la préparation. Nos citrouilles sont bien coupées. Place maintenant à la préparation. Nous allons mettre le beurre et on va faire revenir les citrouilles dans le beurre. Petite astuce, alors vous mettez une pincée de muscade, question de relever le goût et parfumer votre gâteau. On laisse cuire à feu doux pendant 15 minutes. Parallèlement, on va préparer la pâte, donc on va casser les 4 œufs. Vous versez le sucre, la farine et la levure et vous fouettez. Vous fouettez jusqu'à avoir une pâte homogène, comme ça. Nous allons ensuite récupérer la citrouille cuite et nous allons tout de suite mixer l'ensemble. Et maintenant, nous allons verser le mélange dans la moule. Le choix de la moule est important. Elle va définir la forme qu'on veut du gâteau. Maintenant, moi, j'ai choisi l'araignée. Si, pour rester dans le thème de Halloween, si vous voulez choisir d'autres formes, de pourquoi pas, c'est au choix de chacun. En attendant, j'ai chauffé le four depuis 10 minutes à 180 degrés. Et je vais aller placer le gâteau pendant 50 minutes à 180 degrés. Je le place au milieu du four, donc ni en haut ni en bas, pour que la cuisson soit homogène. Après 50 minutes, notre gâteau est cuit. Pour la décoration des yeux, j'ai utilisé des boules de chocolat décorées que j'ai trouvées dans le commerce. Pour la décoration, c'est au libre choix de chacun. Vous laissez place à votre imaginaire et vous faites un gâteau à votre goût. Je vous laisse voir l'aspect moelleux et trampolinable du gâteau. Donc, je suis sûre les enfants vont adorer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les autres vidéos. Je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.